Quelle tension faut-il appliquer aux bornes d'une résistance de 300 ohms pour qu'elle soit parcourue par un courant de 12 milliampères? Inscrivons d'abord les données. La résistance R est de 300 ohms et l'intensité du courant I est de 12 milliampères, c'est-à-dire de 0,012 ampères. Nous cherchons la tension U que nous exprimons en volts. Et pour cela, nous avons la loi d'Ohm à notre disposition. Tension égale résistance fois intensité. Puisque U est égal à R fois I, le U doit être égal à 300 fois 0,012, c'est-à-dire 3,6 volts. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est que la tension mesure 3,6 volts.